présidente Timaha, qui est une structure e-sport qui a été fondée en 2000, qui est à la fois un club e-sportif et également un site média qui traite l'actualité des sports. Alors initialement, moi je suis joueur de Counter-Strike au début des années 2000. Il se trouve que j'ai suivi petit à petit l'évolution de l'e-sport. Et au moment où je recherchais mon premier emploi, au moment où j'envoyais mes candidatures et où j'avais du temps disponible, j'ai postulé chez AA, que j'ai intégré fin 2007 et j'ai pris la présidence 6 ans plus tard. L'évolution de l'e-sport, c'est simple. Au début des années 2000, ça concernait qu'une minorité de personnes. C'était des tournois dans des salles des fêtes. C'est des tournois qui n'étaient pas ou extrêmement difficilement accessibles online. Aujourd'hui, c'est des stades, c'est des centaines de milliers de viewers, c'est de plus en plus d'acteurs, c'est une audience qui est de plus en plus grande, c'est de plus en plus de marques. C'est quelque chose qui grossit extrêmement vite et qui est encore à ses débuts, parce que c'est un secteur jeune d'e-sport, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore très peu de gens qui en vivent. Ça reste une minorité, mais c'est aussi un secteur créateur d'emplois, créateur d'opportunités, et d'où l'importance d'avoir des marques endémiques qui ont accompagné l'e-sport à ses débuts, et des marques non endémiques qui viennent également accompagner l'e-sport aujourd'hui, comme Randstad, en proposant potentiellement des métiers qui sont liés de près ou de loin à l'e-sport, et qui permettent aussi à des structures, à des acteurs récents ou nouveaux de continuer de se développer, de participer au développement de l'e-sport. Moi, je suis extrêmement optimiste pour la suite. C'est un secteur qui est extrêmement passionnant et extrêmement vivant et qui connaîtra encore de belles années devant lui.